Les 3000 dollars en liquide qui étaient dans mon portefeuille, où sont-ils? Comment veux-tu que je le sache? Où sont-ils? Cela dit, tu n'as pas le droit de perdre au jeu tout ce que j'ai gagné en travaillant! Et ça? Il faut bien que j'essaye d'en garder un peu. Je vais jamais toucher à mon pognon. Tu entends? Oui. Ça rentre dans ta petite tête ce que... Oui, oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Salut. Oui, c'est moi. Oui, j'ai vérifié. Tout devrait très bien se passer. Oui, d'accord. Allô? Charlie, ça roule? Cerise, comment tu vas? C'est la forme, mais toi, où t'étais passé? Cathy m'a dit que t'avais disparu depuis 2 jours. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu occupé. J'avais des choses à faire. Dis donc, on peut toujours aller chasser? Demain, ça va? Demain, oui, bien sûr, si tu veux. Oui, j'y tiens. J'ai même très envie d'y aller. Bon, alors tâche d'être au ranch aux environs de 8 heures. On ne partira pas trop tard. Entendu, à demain, j'y serai. Alors, ça va? Très bien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Je vais faire aller. Les choses vont être différentes, Katie. Tu vas voir, je te le promets. C'est la dernière fois, crois-moi. Il n'y a aucune raison que je continue à te faire endurer ça. J'en ai conscience. Alors, ça va aller mieux. À partir de maintenant. Je ne voulais pas te faire de mal. En fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, tu vois, je perds le contrôle et je ne sais plus ce que je fais. Je ne voulais pas te faire souffrir, et ça, je peux te le jurer. Je sais, oui. Tu me comprends, hein? Je comprends. Je ne suis pas convaincu. Mieux que ça, Katie. Je comprends, je t'assure. J'ai toujours compris à chaque fois que c'est arrivé. Ah!
Charlie, t'es pas obligé de faire ça si t'en as pas envie. Non, je peux le faire. De toute façon, la saison touche bientôt à sa fin. Et quand Reese m'a demandé de l'emmener à la chasse, ça m'a fourni une excuse pour y aller. Il va sûrement essayer de te taper du fric. Oui, comme à son habitude, c'est sûr. Oh, le marché a remonté, c'est intéressant. Salut pas ! Salut pas ! Te voilà, terreur ! Devinez quoi ? Devinez quoi ? Dis-moi. Et je vais aller au boulot avec Tante Kate pour l'aider à planter des arbres et d'autres choses. Ah oui ? Mais tu crois pas que tu devrais lui demander avant si elle est d'accord, hein ? Grand-mère a dit que ça marchait. C'est vrai. Non, je crois que ça ne la dérangera pas. Bah, demande-lui quand même, elle va pas tarder à arriver. D'accord. Une petite minute, te sauve pas. Dernière consigne. Je veux être certain que tu sais bien ce que tu dois faire. Hein ? Tu sais bien que je compte sur toi. Il faut que tu joues ton personnage. Et tu vas y arriver. Je suis sûr que tu vas y arriver. Je le saurai comment si ça a été. Tu surveilles le courrier, tu verras une carte postale avec rien d'écrit sauf un numéro de boîte postale en poste restante et une date. C'est comme ça que tu sauras que je me cache et je te l'enverrai aussitôt que je serai sûr qu'il n'y a plus de danger. Regarde-moi. Je sais que tu vas y arriver. Approche. Ça ira. J'ai confiance en toi. D'accord. Ça va aller. C'est bien. Ça ira. Allons-y. Allez, sors. D'accord. Allez, c'est parti. Ils sont ponctuels comme d'habitude. Bonjour. Ma chérie, salut, je suis Reese. Contente. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Belle journée pour la chasse, non ? On ne pouvait pas rêver mieux. C'est une broche. Salut. Salut. Ce pourri t'a encore cogné. Ne dis rien, ne cache pas la journée. Tiens, mais tu es là aussi ? Tu voudrais qu'on t'emmène à la chasse avec nous ? Je suis sûr que ça te plairait, non ? Non, je peux pas, je suis encore trop petit. Ravi de vous voir, maître. Oui, mais peut-être que ton oncle Reese pourrait t'apprendre. Qu'est-ce que tu en penses ? Et toi, Ginny, tu serais d'accord ? Oui, mais peut-être une autre fois. Joey, va chercher tes affaires, je t'emmène au travail. Allez, viens, Joey, on y va. Viens vite. Dis donc, Charlie. Ouais ? Tu crois que tu passes assez de temps avec ce gamin ? Parce que j'ai la vague impression que ce qui lui manque, c'est l'image d'un père à la hauteur. Qu'est-ce que tu as dit ? Reese ! Non, je ne faisais qu'exprimer une opinion personnelle, c'est tout. Au revoir. Allez, à tout à l'heure, ma puce. D'accord, mais sois prudent. Arrête, ça ne sert à rien de t'inquiéter. Vous avez des munitions dans les fentes de vos selles, messieurs, et de l'eau dans vos gourdes. Très bien, Kenny. On prévoit un renforcement du vent sur le haut des falaises, alors soyez prudents si vous y allez. Ce sont des craintes de vieilles filles, ça. Reese, Doki s'emballe les jours de grand vent, alors redouble de prudence là-haut. Assure-toi que ta cible est identifiée. Il y a un tas de chasseurs aujourd'hui. D'accord. Allez, j'ai compris, on y va. Tu ne veux pas que je regarde cet œil ? Non, ça va. Comment se fait-il que tu sois si nerveuse ? Je ne suis pas nerveuse. Il faut que tu fasses quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, tu le sais. Que je fasse quoi ? Laisse-le tomber, demande le divorce. Essaye d'obtenir une mesure d'éloignement pour qu'il ne t'approche plus. Je n'ai plus. Pas envie de divorcer. Et je ne veux pas de ton aide non plus, d'accord ? De toute façon, depuis le début, tu ne t'es jamais fait à l'idée que je vive avec lui. Oh. Tu n'aimais pas ça et tu ne voulais pas que ça arrive. Un de ces jours, il va finir par te frapper un peu plus fort et ce sera terminé, tu comprends ça ? Ce ne sont pas tes affaires. Ce ne le sont plus. Ce ne sont pas vos affaires non plus, Kenny. Oui, madame. Kenny, je fais un saut en ville, j'ai encore énormément de boulot. Bien, madame. Thank you.
Je me la fais, celle-là. Je vais la voir. C'est la poisse. J'ai bien failli, pourtant. Ça va, toi? Tu as l'air un peu énervé. Ouais. Kate et moi, on s'est disputés, c'est tout. Oui, j'avais vu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est ta femme, et maintenant toi. Ça ne concerne que Kate et moi. Tu n'arriveras jamais à en convaincre Ginny. Alors ça, je m'en fous. Elle, il faut bien qu'elle se dise que ce ne sont pas ses affaires. Les tiennes non plus, d'ailleurs. Écoute, je me fiche de ce que tu penses de ma femme, C'est une sale garce qui fourre son nez partout. Et je crois surtout qu'elle est jalouse de sa sœur. Finalement, tu ne laisses jamais tomber, toi. Hein, parce que tu aurais envie de m'apprendre, Charlie? Oui. Oui, j'ai bien envie de t'apprendre un peu plus que la chasse. Eh ben, allons-y, je suis prêt à apprendre. Vas-y. C'est de conseils dont t'as besoin. Écoute-moi bien. J'ai jamais eu besoin de conseils. Et je n'ai pas envie que toi, ni ta femme, vous veniez me dire comment je dois traiter Kate. On y va. Yeah. Hé hey! Tu vas trop vite! D'accord. Toujours aucune trace du corps? Vous croyez que c'est par là qu'il aurait dérivé? Je n'ai pas vu l'emplacement exact où il est tombé. Je suis arrivé plus tard. Je l'ai vu flotter au milieu des rochers. Je l'ai vu et... Vous ne savez pas s'il était vivant? Non, son visage était dans l'eau. Ginny! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, dis-moi qu'il n'a rien... Chérie, je suis désolée. Je ne peux pas te... Oh mon Dieu! C'est pas vrai. Oh. Madame Williams, je peux vous dire que les plongeurs vont continuer les recherches jusqu'à ce soir et qu'ils les reprendront demain. Oh. Tu vois, ça veut dire qu'il reste encore une chance. Tant qu'ils ne retrouvent pas le corps, il reste toujours un espoir. Oh, mon Dieu. Oh. Viens avec moi. Monsieur Williams, et vous êtes venu ici pour chasser ce matin, c'est bien ça? Oui, mais j'ai un permis. Oui, attendez. Vous chassiez souvent avec Monsieur Williams? Non, c'était la première fois. Il m'avait téléphoné en disant qu'il voulait essayer. Alors c'était une idée à lui? Oui, il m'avait téléphoné et il m'avait dit qu'il aimait bien ce sport et qu'il avait envie d'apprendre, c'est tout. Alors je lui ai dit de venir aujourd'hui. Mais si vous dites qu'il était novice, comment se fait-il qu'il soit parti à cheval loin devant vous? Bah, disons qu'on s'était un peu disputé. Il s'est énervé, il est parti au galop, je suis parti derrière lui, mais avant que j'ai eu atteint ce point... Vous pouvez me dire sur quoi portait la dispute? J'avais seulement l'intention de lui prodiguer un conseil d'amis, c'est tout. Il n'a pas voulu l'entendre. Sergent, ma sœur et son mari s'étaient disputés aussi hier soir. Une dispute assez ordinaire, quelque chose de très banal. Vous savez, ça arrive relativement souvent dans un couple, finalement. Ça vous ennuie si je ramène ma sœur à la maison? Non, allez-y. Allez, viens, ma chérie. Allez, viens. Je vous appellerai si jamais on trouve quelque chose. Merci. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Que faites-vous avec ça? Je l'ai nettoyé. Pourquoi celui-là? Il était propre. Je l'ai graissé. Est-ce qu'il a servi récemment? C'est pas très facile à dire. Vous devriez me laisser ces deux-là, je les nettoierai aussi. Ouais.
Oui, faites donc. Quelque chose ne va pas, monsieur ? Eh bien, disons qu'on va subir un assaut de questions. Ils vont enquêter, et je ne veux rien laisser au hasard. Je croyais que monsieur Williams était tombé. En effet. Alors, je vois pas ce que ces fusils ont à voir là-dedans. Madame Halloran peut avoir pris des munitions pour un entraînement sur cible. Non, je l'aurais su. Elle n'en a pas pris. Assurance vie au nom de Rhys Williams, montant 5 millions de dollars, bénéficiaire Catherine McKelvey Williams. Tiens, Kate, quelle bonne surprise. Bonjour, Ginny. Alice. Bonjour, Kate. Je ne veux pas interrompre une discussion importante. Non, assieds-toi, on prenait juste un café. J'aurais voulu discuter avec toi d'une question d'ordre juridique. Je peux retourner au bureau, vous savez, c'est pas grave. Non, je préfère que vous restiez là et que vous preniez des notes. Si on doit aborder le domaine juridique, il vaut mieux que les choses soient faites dans les règles. Je t'écoute. Vous prenez quelque chose, madame ? Oh, un café, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Énorme, cette assurance vie, je n'étais pas au courant. Rhys l'avait souscrite il y a 2 ans, après avoir gagné beaucoup d'argent à Las Vegas. Il était dans de bonnes dispositions, s'il faut que je pense un peu à Kate. Il faut avoir des preuves irréfutables de la mort pour que la compagnie accepte de payer une telle somme. C'est là que j'espérais que tu saurais ce qu'il fallait faire. Eh bien, je peux orchestrer la procédure et faire toute la paperasse, mais je ne te garantis en aucun cas le résultat. Oh, je le sais, c'est évident. Il va y avoir une enquête qui déterminera ce qui s'est passé. J'en suis consciente. Tu sais combien de temps ça dure ? Difficile à dire. Je vais essayer de faire vite pour mettre les choses en place, mais ça ne se fera qu'après une audience privée et que toutes les parties impliquées soient satisfaites des résultats. Et c'est seulement là que le juge statuera sur une déclaration judiciaire de décès. Et alors là, la compagnie d'assurance paiera ? Une fois la décision rendue, la compagnie d'assurance n'a plus le choix. Qu'est-ce que tu en dis ? Il n'y a pas de corps. Mais nous avons un témoin en la personne de Charlie qui a vu le corps flotter dans l'eau. Bon, écoute, je vais faire tout mon possible. Tu peux me laisser ça ? Et dès que j'aurai regagné le bureau, on va se mettre au travail. On va commencer par ouvrir un dossier. Nous ferons un courrier à Solar State Life dès cet après-midi en leur demandant de bien vouloir lancer la procédure. Oui, je vais le faire. Je te remercie. Hé, Kate! Quelqu'un demande à te voir. Viens, je te dépose. Merci. Ça va faire plus de 3 heures que tu travailles. On ne va plus rien avoir à faire, nous autres. J'ai l'impression que plus je travaille, et moins je pense à un tas de choses. Ouais, je sais, c'est pas facile. Toujours attendre et ne rien savoir. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je le vois arriver. Je me dis que tout ce qui s'est passé est une énorme erreur. Il va débarquer ici et m'attendre en fin de journée. Ouais, le travail, ça fait tenir le coup. Mais ça sert à rien de t'user à la tâche, tu sais. D'autant que, quoi qu'il se passe, je suis certaine que tu seras à la hauteur. Merci, Martha. De rien, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Catherine Williams. Nous sommes les enquêteurs, McAfee et Logan. On travaille pour la Solar State Life et on est venu vous parler de l'assurance de votre mari. Nous sommes profondément désolés de cette douloureuse perte, madame Williams. C'est gentil. Étiez-vous au courant de l'assurance de votre mari, Kate ? Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Kate, j'espère. Oui, j'étais au courant pour l'assurance, et non, ça ne m'ennuie pas que vous m'appeliez Kate. C'est gentil. Rhys m'avait tout expliqué au moment où il l'avait souscrite. 5 millions,
C'est une grosse somme d'argent, en particulier pour quelqu'un dont les revenus n'étaient pas très stables. Savez-vous comment votre mari a eu les moyens de souscrire une telle police ? Je pense qu'il l'a fait à un moment où il avait beaucoup d'espèces et il avait payé les primes d'avance. Savez-vous où il avait obtenu l'argent nécessaire ? Non, je ne lui ai pas demandé. C'était peut-être après une grosse période de chance à Las Vegas. Je vois que finalement vous avez déjà découvert quelques détails. Oh, ça n'a rien d'extraordinaire pour un homme qui a un passé de joueur invétéré que de souscrire une grosse assurance vie. Parfois, ils pensent même que c'est cette assurance qui va leur porter chance. Ses habitudes étaient plutôt bien connues parmi les divers casinos de la région. Ah oui ? Mais saviez-vous, en revanche, qu'il avait énormément perdu ces derniers mois ? Je ne le surveillais pas. C'est malheureusement la triste vérité. Votre mari était couvert de dettes. Je pense même qu'on pourrait dire qu'il cherchait l'argent désespérément. Qu'est-ce que vous essayez exactement de me dire ? Que ce ne serait pas la première fois qu'un individu essaierait de mettre en scène sa mort pour toucher la prime d'assurance. Mon beau-frère a dit qu'il avait vu Reese flotter sur le ventre, la tête enfoncée dans l'eau. Nous ne cherchons pas à insinuer quoi que ce soit qui insulterait la mémoire de votre mari, mais nous avons un travail à faire et nous le ferons de notre mieux. Alors faites ce que vous voulez. Mais mon mari est décédé. Et comme le travail est la seule chose qui me permette de tenir ces temps-ci, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser, messieurs. Kate, il se peut que nous ayons à nous revoir, ça ne vous ennuie pas ? Bien sûr que non. Il se peut que nous ayons à nous revoir, ça ne vous ennuie pas ? Comment se fait-il que tu sois devenu si poli ? Mais qu'est-ce que tu viens me chanter, là ? Non, ça va, réponds rien. J'arrive à lire dans le petit pois qui te sert de cerveau aussi clairement que si c'était un néon en train de clignoter dans les rues de Las Vegas. Mais tu crois pas que tu exagères ? Oh, mais c'est une nana très mignonne. Qui fait passer la dernière fille avec qui tu es sorti pour un Boston Terrier. Un Boston Terrier ? Ouais, et justement, ce serait vraiment dommage tout de même qu'elle puisse être enlisée jusqu'au cou dans une histoire de fraude. C'est ça que je serais en train de me dire ? Eh bien, je peux t'assurer que quand tu auras pratiqué aussi longtemps que moi, jeune maître Logan, tu finiras par savoir lire certains signes. Tu traites toutes tes copines avec autant de douceur que tu le fais de ta voiture. Eh bien, je vais te dire, si tu sais prendre soin d'elle, elle saura prendre soin de toi. C'est parfait comme relation. Ah, mais je comprends que t'es pas souvent de copine. Tu sais ce que je pense, moi. Allez. Toi, tu es jeune. Ah, encore une preuve que tu es trop jeune. Dis, maman. Oui ? Je peux y aller, je voudrais voir la télé. Bon, d'accord. Une demi-heure et ensuite tu te mets à tes devoirs, d'accord ? D'accord. Hé, grand-mère, tu veux pas venir voir la nouvelle série dont je t'ai parlé ? Oh, si, j'arrive. Je te rejoins tout de suite. Bon, je voudrais qu'on lève nos verres. À Kitty. Kitty qui est dans nos cœurs et pour laquelle nous prions tous les jours. Puisse ta vie être faite de bonheur et d'amour, du lever du soleil au lever du soleil et pour toujours. À Kitty. Santé. Le meilleur est devant toi. Merci, maman. Deux enquêteurs travaillant pour la Solar States Life sont venus me trouver au boulot aujourd'hui. Ça a été ? Je pense que Reese a trompé beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Comment ça, trompé ? Eh ben, avec son assurance vie de 5 millions de dollars, il m'a bien eu. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir parlé à Charlie de ta prime d'assurance. Il l'avait souscrite sur un coup de tête à un moment où il avait gagné plein de fric au jeu. Oh oui, mais il aurait pu résilier le contrat n'importe quand. Enfin, dans la mesure où il se serait souvenu qu'il en avait un. Mais je ne vois pas un garçon comme Reese oublier une somme de 5 millions de dollars. Pourquoi est-il si difficile de croire qu'il l'avait souscrite pour moi ? Pour mon avenir, au cas où un truc comme ça arriverait. Ne te vexe pas, Kate, mais ce que tu décris là, c'est pas vraiment son genre. Il n'a jamais pensé à personne d'autre qu'à lui. Bon, faut que je me sauve. Pourquoi tu ne resterais pas ici cette nuit ? Ne retourne pas dans cet appartement vide, ma chérie. Non, non, ça va très bien, maman. Tu en es sûre ? Oui. Vous savez, ce que je trouve drôle, c'est que la seule chose honorable que Reese ait jamais faite, à savoir souscrire cette assurance pour moi. À présent qu'il est mort, personne ne reconnaît que c'est tout à son honneur. Je ne faisais que formuler les mêmes questions que les enquêteurs vont lui poser. Et rien d'autre. Tu es le témoin oculaire, tu es le seul à avoir vu le corps flotter sur le ventre, la tête enfoncée dans l'eau. Je le sais, c'est justement ce qui me rend nerveux. Les flics se foutront de ce que tu penses, ils n'en auront rien à fiche de ce que j'ai vu, ils se contenteront d'écouter ces inspecteurs de l'assurance. Et eux, ils vont la surveiller comme un renard convoite un poulet. Je sais ce que tu te dis. Ah, tu crois ? Comment pourrais-tu savoir ? Yeah.
Je le détestais, ce bâtard. Et je crois que je m'en voulais encore plus à moi-même. De ne pas avoir osé faire quoi que ce soit. Mais on ne pouvait rien y faire. Elle était amoureuse de lui, un point c'est tout. Et tu étais la mieux placée pour la comprendre. Mais je savais parfaitement ce qu'il lui faisait endurer. Je la suppliais de le laisser tomber. Et j'aurais été prête à tout donner pour qu'il ne la frappe plus. Oui, mais tu n'étais pas responsable, Ginny. Mais si, allons, c'est ma sœur. Et je lui devais bien ça, tu le sais. Si tu savais ce que je suis contente que vous soyez aussi proches. Je l'avais souhaité de toutes mes forces, mais sache que tu ne pouvais rien faire pour changer ce qui s'est produit. Et Katie va devoir surmonter cette expérience toute seule, mais elle survivra. Et une fois qu'elle s'en sera sortie, j'imagine qu'un beau jour, elle retrouvera un homme de bonne volonté et toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour elle. D'accord. D'accord. J'ai oublié que j'avais un rendez-vous avec Joey. Je vous aime toutes les deux. Moi aussi, je t'aime. Jamais nous séparer. Non, rien, jamais. Riz, je t'en prie. Je me suis entraîné à faire ce saut une bonne dizaine de fois. On sera à Yuma, patron. 2 jours de cheval à travers ces montagnes. Tu crois qu'on va y arriver? J'en sais rien. On va avoir des orages. Tomber sur des Indiens. Sur des serpents à sonnette, peut-être. Vous êtes très doué avec les enfants, monsieur Logan. N'est-ce pas? Oui, ça c'est certain. Je vais revenir. Attention à toi. Oh, j'ai beaucoup de neveux et nièces, ce qui fait que... Oh, vous devriez avoir des enfants à vous parce que vous avez un vrai don. Oh. Les enfants savent toujours si on leur veut du bien. Nous voudrions vous poser quelques petites questions au sujet de votre fille. Et de l'accident qui a coûté la vie à votre jambe. Ah, oh, si vous voulez, je vous écoute. Kate a déclaré qu'elle était venue ici ce jour-là et qu'elle n'avait pas quitté Joey. De tout l'après-midi? Oui, c'est vrai. Riz et Charlie étaient allés chasser vers les falaises et elle avait décidé d'aller travailler toute la journée. Je lui ai donc suggéré d'emmener Joey avec elle. Quelle a été la réaction de Joey quand il a su... l'accident. Comme je vous le disais, les enfants savent quand une personne leur veut du bien ou quand elle leur veut du mal et il a eu une bonne réaction. Oh, vous savez, ça ne me regarde pas ce qui se passe entre un mari et sa femme. Mais c'est vrai ce que je vous ai dit. Kate et Joey ont passé tout l'après-midi tous les deux, je vous l'assure. Il faut me croire. Je suis persuadée que ma fille doit vous attendre, non? Merci de ces précieux instants. De rien. Je vous en prie. On commence à y voir plus clair. Comment ça? Elle n'a fait que nous confirmer que le gamin est resté avec elle tout l'après-midi. Tiens-moi ça. Il se peut que cette vieille dame ait menti pour protéger sa fille. Tu n'as pas remarqué que maman a commencé à se tortiller après avoir lâché sa petite phrase à propos de l'attitude assez floue dont elle a qualifié le mort? Si Kate est restée avec Joey au solarium tout l'après-midi, il ne doit pas être difficile, tiens, au moins ça, de trouver un témoin qui les aura vus. Oui, possible. La première chose que j'ai apprise dans ce métier, mon petit vieux, c'est qu'un être humain est capable de tout, et je peux t'assurer qu'il ne faut jamais se fier à la gentillesse dont il fait preuve. J'hésite là. Je t'avoue que je ne vois pas du tout cette femme commettre un meurtre pour toucher l'argent de l'assurance. Ouais, tu n'as peut-être pas tort. Cela dit, j'ai vu des choses plus étranges que celles-là. Bon, écoute, John, on va se partager le travail. Toi, tu vas aller discuter avec la Lawrence et moi, je vais aller fouiner par là et voir les employés. Je sais qu'ils veulent tous nous voir tous les deux, mais... t'as qu'à leur dire que je suis malade.
Tu ne veux pas parler au Hallorans? Non, je lirai ton compte rendu. Ah. Ah. Eh bien, je vais peut-être arriver à les avoir. M'étonnerait. Tu crois que je suis nul en interrogatoire si t'es pas là à me surveiller? C'est une avocate. Elle a déjà commencé la paperasse, alors je suis certain qu'elle ne lâchera rien du tout, qui risquerait de faire s'écrouler les chances de la sœur de toucher le fric. Ouais. Eh bien, on verra. $20. C'est parti. Ok. Madame Halloran, j'appartiens à la Solar State Life. Ah oui, très heureuse. Oui, nous vous attendions. Mon mari va se joindre à nous dans un instant. Je vous en prie. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. J'ai cru comprendre que vous aviez lancé la procédure. Oui, en effet. Je voudrais voir cette affaire résolue aussi vite que possible. Ma sœur a dû supporter de considérables tensions. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos de cette journée? J'ai vu Riz et Kate quand il l'a déposée à la maison et qu'il partait à la chasse avec mon mari. Ensuite, elle est partie et moi, je suis allée en ville à mon cabinet, j'avais du travail. Et c'est là que j'ai reçu le coup de fil m'annonçant qu'il y avait eu un accident. Bon, j'imagine que vous pouvez trouver quelqu'un en ville qui pourrait témoigner que vous étiez à votre bureau. Ah, j'ai l'impression que vous entamez une enquête criminelle. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas que vous croyiez non, cela. Non, ce n'est rien. Nous avons quelque chose qui ressemble à une pointeuse dans l'immeuble. Et si vous voulez des témoignages humains, je dois pouvoir en bricoler quelques-uns. Non. Non, je pense que ça devrait aller. Voulez-vous un verre de limonade? Pourquoi pas? Vous voulez faire quelque chose pour eux, monsieur? Je m'appelle Mac. McAfee. Je suis enquêteur pour la compagnie Solar State Life. Vous travaillez ici depuis longtemps? Il y a à peu près 2 ans. Vous connaissiez le type qui était tué? Personne ne l'aimait beaucoup, on dirait. Je suis persuadé que c'est parce que... il n'arrêtait pas de frapper Kate. Oui, souvent, il la cognait. Moi, je ne l'aurais jamais traité comme ça. Vous l'aimez bien, non? Ouais. Ouais, elle est gentille. Ça vous dérange? Non, je parie que vous l'auriez sûrement mieux traité que lui. Vous vous dites que je suis attiré par elle? Et ça me ferait immobile? Ouais. Non, elle ne m'a jamais regardé, moi. Mais moi, je vois ce qui se passe ici. Je me fais mes idées. J'ai l'impression que vous avez quelque chose sur le cœur. Vous devriez peut-être m'en parler. Ça soulage. Vous vous sentiriez mieux, je suis sûr. De toute façon, tôt ou tard, je finirai par trouver les réponses. J'y arrive toujours. Bon. Une fois qu'on a eu ramené Doki... Doki, c'est le cheval que Williams montait. Au moment où je lui ai enlevé la selle, j'ai pas retrouvé la gourde que j'avais mise. C'est moi qui prépare tout pour monsieur et madame Halloran quand ils vont chasser. Comme ça, ils n'ont pas besoin... Madame Halloran chasse aussi? Ça lui arrive. Elle est d'ailleurs meilleure fusil que n'importe qui. Mais ce jour-là, elle est restée. Elle a dit qu'elle avait du travail. En tout cas, dans la fonte que j'avais posée, il n'y avait plus de gourde. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est vous l'enquêteur, non? À vous de savoir. C'est vrai. Le voilà, enfin. Oh. Ça va? Bonjour, ma chérie. Monsieur Halloran. John Logan de la Solar State Life. Monsieur Logan. On m'a dit que vous étiez le seul à avoir vu le corps flotter sur l'eau. Oui, oui, Riz portait une veste jaune criarde, ce qui fait que je l'ai reconnu plutôt aisément, même du haut de la falaise. Et vous avez dit l'avoir vu flotter le visage dans l'eau, comme s'il était mort. C'est ce qu'il m'a semblé. Mais finalement, le temps que vous avez été là, vous n'avez pas constaté que c'était la marée qui emmenait le corps? Ah non, il fallait que je fasse un choix. Soit je restais là à regarder le corps toute la journée, ou bien je me dépêchais d'aller demander du secours. Et pour ce faire, je devais retourner jusqu'à mon cheval pour prendre mon portable dans la sacoche. Et pendant ces quelques minutes, le corps de Riz a disparu.
Je trouve que mon mari a pris la décision qui s'imposait, vous ne croyez pas? Oh, c'est évident. Bon, alors... vous avez déclaré, monsieur, que le jour de l'accident, vous avez entendu un coup de feu. Il y avait des chasseurs dans le coin, des coups de feu, j'en ai entendu des quantités. Et finalement, vous n'avez pas vu monsieur Williams descendre du cheval? Ah non, non. En fait, il est parti au galop devant moi et au moment où je suis arrivé, j'ai vu son cheval seul. Je me suis dit aussitôt qu'il avait dû se passer quelque chose et quand je me suis penché sur le bord, j'ai vu le corps de Reese qui flottait dans l'eau et... C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. Et je vais vous laisser. Je vous remercie de nous avoir répondu. De rien. Et merci à vous. Je vous en prie. Voilà. Alors, bonne journée. Merci, vous aussi. Nous ? Est-ce que tu sais de ce qu'il parlait ? Comment ça ? Eh ben, il a dit « Je vous remercie de nous avoir répondu. » Alors, c'est qui, nous ? Ah oui, son collègue ne se sentait pas au mieux de sa forme, alors il a dit qu'il attendrait ce monsieur dans leur voiture. Alors ? Alors quoi ? Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a appris, le garçon d'écurie ? Attends, tu ne touches à rien, là. Tu pourrais rayer la voiture. Bon, alors un des gars avec qui j'ai discuté était un jeune qui s'appelait Kenny Evering. Il travaille ici depuis 2 ans. Tu me demandes une vérification. Oui, d'accord. Et pourquoi on fait faire une vérif sur ce Kenny Evering ? Oh, il m'a regardé avec un drôle d'air quand on l'a croisé dans le pré tout à l'heure. Oui, c'est scientifique. Et toi, où tu en es avec les Hallorans ? Ils t'ont raconté des trucs nouveaux et croustillants. Ça va. Tu as gagné. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté, ce Kenny Evering ? Il m'a dit que la gourde de Reese avait disparu quand on lui a ramené le cheval. Et alors, qu'est-ce que ça t'inspire ? Il peut très bien être tombé de la falaise avec sa gourde. Non, si tu galopes assez vite au bord d'un endroit assez dangereux, t'as aucun intérêt à sortir ta gourde. Très bien. Alors, il s'est arrêté au bord et il a bu une gorgée d'eau. Je pense qu'il a dû descendre de cheval avec sa gourde et qu'il est tombé la gourde à la main. Oui, mais s'il est descendu de cheval et qu'il était là tranquille, pourquoi il est tombé de la falaise ? Et parce qu'il devait marcher trop près du bord et qu'il a trébuché sur quelque chose et qu'il a perdu l'équilibre. Non. Charlie a déclaré que Reese et lui avaient été séparés à peu près 1 minute 2 tout au plus. Et alors ? Le type part au galop énervé, il fulmine même, et là, en moins d'une minute, il descend de son cheval, se dit qu'il va se faire une petite balade tranquille tout au bord des falaises, il se boit un petit coup de flotte de la gourde qu'il a avec lui, et il perd l'équilibre à cet instant-là. Pff, non, je suis sûr que non. Parce que si ça avait été le cas, je pense que... qu'il aurait balancé la gourde pour pouvoir s'accrocher à quelque chose. Ouais, je reconnais que ça se tient. Donc, si c'est ce qui s'est passé, on aurait dû retrouver la gourde pas loin. Sur le sol, en tout cas, elle n'aurait pas disparu. Et tu vois, elle s'est volatilisée. Nulle part, la gourde. Bon, et où est-ce que ça nous conduit, tout ça ? À rien, peut-être. Ou peut-être que ça me conduit à penser qu'il y a quelque chose de pas très catholique dans cette histoire. Tiens, regarde. Propre comme un sou neuf. Joey s'est endormi ? Oui, apparemment. Maman aussi. Elle est sur son fauteuil. Mais j'ai pas eu le cœur de la réveiller. Il ne faut pas. Tu sais bien qu'elle a toujours aimé s'endormir dans ce fauteuil. Tu viens au lit ? Ça va, toi ? Tu me semblais préoccupé ces temps-ci. C'est amusant, j'étais sur le point de te dire exactement la même chose. Oui, c'est toute cette affaire avec Kate et Reese. Je crois que ça nous rend tous un petit peu dingues, tout ça. En tout cas, moi, je suis content qu'il soit mort. Parce que c'est monstrueux de s'entendre dire ça. Mais c'était quand même un misérable enfoiré qui avait détruit une quantité de vie. Ouais. J'ai l'impression que c'est un cri du cœur que tu as retenu longtemps. Ouais. Est-ce que tu crois que les enquêteurs de la compagnie d'assurance peuvent penser que c'était un accident ?
Il mettrait ta parole en doute. Tu as dit toi-même qu'il y avait d'autres chasseurs et d'autres coups de feu. Oui, mais si ça ne s'était pas passé exactement de la façon dont je l'ai raconté aux policiers. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ce coup de feu qui est étrange. Je n'arrête pas de l'entendre, ce coup de feu. Oui, il résonne sans arrêt dans ma tête. Ginny ? Oui. Non, Ray. Allez, viens. On va se coucher. Monsieur Logan, si vous voulez entrer, je me ferai un plaisir de vous offrir à boire. Ça ne sert à rien de rester là tout seul dans votre voiture. Est-ce que je suis si repérable ? Disons qu'il est difficile de vous manquer. Oui, c'est vrai que je suis un peu novice dans ce genre de boulot. Bon. Cela dit, c'est temporaire, voyez-vous. Tenez, donnez-moi ça. Non, moi je suis professeur de musique en fait, au collège. Je suis musicien. Mais il se trouve que j'avais besoin d'argent et j'ai vu cette petite annonce. Si vous préférez enseigner la musique, pourquoi ne pas le faire ? C'est ce que disent tous mes amis. Ils disent, ce que tu veux faire, fais-le. Si tu veux enseigner, enseigne. Ils ont raison. Quand on a un rêve, il faut arriver à le réaliser. Oui, seulement voilà, les rêves, ça coûte de l'argent et j'ai des factures. Oh, c'est pour ça. Oh, waouh, c'est très joli. Vous avez du goût en matière de décoration. Merci. Mais mon mari est un... Enfin, disons, était un très bon charpentier. Mais c'est moi qui ai fait la déco et l'aménagement. C'est ce que vous faites aussi dans les jardins, non ? Oui, architecte paysagiste. Hein ? Je vous offre quelque chose à boire, monsieur Logan. Vous voulez une bière ou du vin ? Non, du thé glacé, si vous en avez. Je ne dois pas boire pendant le service. Mais vous n'êtes pas flic, vous travaillez pour une compagnie d'assurance. Oui, mais cette compagnie a des règles. Et moi, je suis du genre à ne pas transgresser les règles. J'avoue que c'est intéressant. Tenez. Merci. Mes amis m'appellent John. Si vous êtes chez moi, c'est parce que votre équipier et vous essayez d'éviter à la Solar State Live d'avoir à payer la prime d'assurance de mon mari. Alors, vous qualifier d'amis, ça va être difficile. Mais si nous n'arrivons à rien prouver, je suis persuadé que la Solar State Live se montrera plus que ravie de pouvoir remplir ses obligations envers vous. Et dans la mesure où il n'y a aucune complication, je veillerai aussi à ce qu'il veuille bien vous régler comme promis. Et je serai toujours content que vous m'appeliez John. Virginia. Oh, j'avais justement l'intention de passer vous voir, monsieur le juge. Comment va votre sœur ? C'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. C'est précisément ce dont je voulais vous parler. Oh. Son mari avait souscrit une énorme police d'assurance il y a 6 mois environ, 5 millions de dollars. Elle va avoir besoin d'une déclaration judiciaire de décès. Elle doit se débrouiller seule et économiser le peu d'argent qu'elle a. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je prélève les déclarations de témoins des registres ? Je cherche quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Je crois que la compagnie risque de rechigner à l'idée de payer une telle somme. C'est compréhensible. Mais vous savez que je n'ai aucun droit d'influer sur les résultats. Mais c'est évident et je ne vous demanderai pas de le faire. Je veux juste m'assurer que Kate a droit à une enquête honnête. C'est tout.
Je n'ai pas envie qu'il la fasse traîner en longueur. Il n'y a aucune raison pour ne pas payer. Bon, d'accord, je vais demander au clerc de s'occuper de vos papiers. J'aime bien obliger ces gens, les assurances, à se montrer honnêtes. Bon, je vais retourner près de mes invités. C'est toujours un plaisir de vous voir, Virginia. C'est très gentil, Eugène. Je vous remercie mille fois. Et qui est avec moi? Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir, monsieur le juge. Êtes-vous déjà allé chasser avec tout le monde? Non, ils me l'ont demandé, mais j'ai toujours refusé. Vous ne considérez pas la chasse comme un sport? Non, la raison n'est pas aussi politiquement correcte. J'ai été élevée au milieu des armes, voyez-vous. Mes parents ont fait une carrière militaire. Et Jimmy a remporté à l'adolescence le prix junior de meilleure tireuse nationale. Pardon? Oui, c'est l'un des meilleurs tireurs d'élite. Elle a même gagné un tas de prix qui lui ont permis de voyager et de faire des compétitions à travers l'Europe et partout ailleurs. À l'époque, j'étais vraiment jalouse d'elle. Vous ne me semblez pas être une femme qui puisse aimer les armes à feu. Oh, je crois que je pourrais tirer si ça me donnait la possibilité de voyager. Et j'aimerais bien aller à Rome, à Venise. Vous voyez ce genre d'endroit? Enfin, ça fait partie de mes rêves. Avec 5 millions de dollars, on peut se payer une quantité de billets d'avion. Est-ce que c'est un interrogatoire à dire? Ou est-ce que je dois demander la présence de mon avocat? Veuillez m'excuser, il n'y avait aucun sous-entendu. Il est évident que je suis encore un peu jeune dans ce métier. Oui. Vous trouvez que c'est évident, vous aussi? Oui. C'est vrai que vous ne ressemblez pas au détective privé qu'on croit rencontrer dans ce genre de milieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il se trouve que j'ai répondu à cette annonce parce que j'y ai vu quelque chose de romantique. Vous savez, comme ce qui arrive à Fred McMurray dans Assurance sur la mort. Quoi, vous n'avez jamais vu ce film? Oh, mais il est fantastique! J'ai dû le voir un bon millier de fois, Fred McMurray et Barbara Stanwyck. Oui, Fred McMurray joue le rôle d'un petit enquêteur pour une compagnie d'assurance et il tombe amoureux d'une blonde sensuelle, Barbara Stanwyck. Et alors, elle joue une veuve canon qui a tué son mari. Et elle, lui, enfin... Je suis désolé, j'ai recommencé, il faut m'excuser. Non, c'est pas grave. Il y a une petite brise, hein. Oh, si, j'insiste, allez, mettez ça. Merci. La poussière, la crasse, les impuretés de la ville, il faut les enlever en permanence, sinon ça pénètre à l'intérieur. Où tu étais tout à l'heure? Ah, nulle part. Je suis allé traîner un peu à droite, à gauche. J'ai fait les courses pour moi. Le sable et l'eau salée, on dit que ça fait aussi quelques dégâts. Et tu t'y connais un peu en moteur? Oui. Mon père était mécanicien. À 16 ans, il m'a dit que si je voulais une voiture, je devais me la fabriquer avec des pièces détachées. Non, sans blague. Moi, j'ai toujours eu une voiture de police. Mais c'est l'équipe de mécaniciens des flics qui me l'a réparée. Ah oui? Tu es des flics? Oui, pendant 15 ans. Ben, ça explique tout dans ce cas. Ça explique quoi? Pourquoi t'es aussi doué dans ce boulot? Oh oui, j'ai un don. C'est toujours très utile de savoir renifler les ordures. Et tout autre menteur, une fois que tu sais les flairer, c'est un truc que tu gardes toute ta vie. Pourquoi tu es parti de chez les flics? C'est une longue histoire. Mmh. Et j'aime pas trop la nostalgie, j'ai envie de bouffe. De bouffe! De bouffe! Jette un coup d'œil là-dessus. Regarde-moi tous ces comptes en banque. Ils sont tous au nom de Reese Williams. Il y en a 3. Quoi? Et un seul compte joint avec Kate. Ce monsieur Williams planquait du pognon à sa petite nana. Notre jolie héroïne semble inspirer une certaine défiance aux hommes qui l'approchent. C'est ça. Tu as vu les remises qu'il a faites, là? Mais comment est-ce qu'il pouvait avoir autant de liquide? Grâce au jeu? Oh non, ça ne serait pas aussi régulier, on dirait plutôt un paiement. Tiens-moi ça. Bon, alors ça pourrait peut-être être un chantage ou de l'extorsion. Possible. Alors tu continues à croire que ce gars-là est tombé de la falaise accidentellement? Peut-être pas. Tiens, attends, écoute.
Tu sais, le garçon d'écurie, le fameux Kenny Evering, eh bien, William et lui s'étaient disputés il y a 3 mois. Et Reese lui avait filé une des gelées. Oui, et Kenny savait où ils allaient pour chasser. Il a préparé les chevaux. C'est lui qui a chargé les fusils et qui leur a réparti les munitions. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau qui vient de s'inviter à la petite fête. Tu veux que je te dise? Cette histoire, on dirait un roman d'Agatha Christie. Bonjour. Dites-moi, est-ce que Kenny Evering est avec vous? Ouais, il était là il y a une minute, mais d'un seul coup, il a fait demi-tour et il s'est tiré. Vous savez où il est allé? Non, tout ce que je sais, c'est qu'il devrait être ici. Quand vous le verrez, dites-lui d'appeler l'un de nous, s'il vous plaît. Nos numéros sont sur la carte. Ouais, bah, si jamais vous le voyez, dites-lui que j'ai besoin d'un coup de main ici. Je crois que c'est pas une coïncidence, il n'a pas dû avoir envie de nous raconter des trucs. Dites-moi, vous le connaissiez personnellement, colonel? Oh oui, je faisais partie des juges quand il est passé en cour martiale. En cour martiale? Oui, il a fait 6 mois de tôle, a été renvoyé à la vie civile pour manquement à l'honneur et pour s'être battu y avoir mis KO un camarade de chambrée. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Je suis peut-être en retraite, mais je ne suis pas sénile, fiston. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tout a commencé quand Williams a mis enceinte la fille du général, une femme mariée. La fille du général? Oui, c'était le général Harmon McKelvey. C'était lui qui commandait la base quand William s'y était stationné. Mais ça remonte à quelques années maintenant, le général est mort. Mais c'était un type bien, Harmon McKelvey était un exemple pour ses soldats, d'une droiture légendaire. Ça explique qu'il ait détesté découvrir que sa fille se faisait compter fleurette de façon régulière par un des hommes qui était sous ses ordres, pendant que son mari était en mission en Europe. Oui, alors j'imagine que William n'était pas en odeur de sainteté. C'est un euphémisme. Tiens, je vais vous dire, personne pouvait avoir de sentiments pour cet enfoiré. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de mettre KO un des autres soldats? Williams avait demandé du fric à la fille contre son silence, le temps qu'elle trouve un moyen de se faire avorter. Seulement un de ses potes de chambrée avait tout découvert. Il a menacé de tout raconter. Williams n'a pas pris les choses à la rigolade. Il a massacré le gars, il a fallu l'envoyer au cimetière. Eh oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la fille? Elle a divorcé. Et elle est allée en Suisse jusqu'à ce que les choses se calment un peu. Et le général McKelvey nous a demandé de coller le maximum à Williams. La Suisse n'est pas là où on fabrique les horloges avec des coucous. Ah oui, je t'en prie, Kate n'est jamais allée en Suisse, j'en mettrai ma main au feu. Kate? Qui est Kate? Elle, la fille du général. Non, erreur, c'était Virginia. Virginia McKelvey. Il l'appelait Ginny. Tes sœurs au passé caché dramatique révélé. Ha! Non, je rigole. Bon, allez, on passe tout en revue. William s'imagine qu'il va grimper dans l'échelle sociale grâce à ses frasques, hein? Seulement, il gâche sa première chance en devenant trop avide. Alors il se dit que la grossesse de la fille du général peut lui rapporter un peu de fric facile. Ouais, et peut-être qu'il a besoin de cet argent pour couvrir ses dettes de jeu. Sauf que son copain de chambre va tout foutre par terre et notre Williams va se retrouver d'un seul coup sans nana, sans pognon et surtout 6 mois de mitard. Et Ginny est envoyée aussitôt en Suisse pour se faire discrètement avorter. Les McKelvey, eux, doivent rester ici et tenter de se faire le plus réservé possible. Jusqu'à ce que Williams revienne et décide de jouer le coup à qui tout double. Oh. Quoi? Y a pas eu d'avortement. Le petit garçon, c'est le fils de Reese. Joey? Oui! Tu crois que Kate est au courant? Ça, j'en sais rien. C'est toi qui devrais le savoir. C'est toi l'expert en ce qui concerne Kate. Ça va, allez, lâche-moi. Comment veux-tu que je le sache? Bon, attends, écoute. Le petit garçon est le souvenir vivant de toutes les choses qui se sont produites dans le passé. Je dirais même que si on les met tous en ligne, ils nous ramènent à Cerise. Tiens, regarde ça. Et qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé dans l'herbe près d'un buisson, à environ 50 mètres de l'endroit où Williams est censé être tombé de la falaise. Un coup de fusil de chasse, ça ne fait rien à cette distance, mais une balle de ce calibre, aucun problème. Mais on ne peut rien prouver avec ça. Il y avait des centaines de chasseurs dans ce coin-là. Je suis persuadé qu'on l'a flingué, John. Oh. Mais je te jure que je le sens, je le flaire même. On est en présence d'un meurtre, là. Où t'étais passé?
Je suis allé regarder la jambe du cheval pour voir si la plaie était refermée. Les deux enquêteurs de l'assurance ont demandé à te voir. J'ai rien à leur dire. Non ? Tu t'es pourtant sauvé en les voyant, je t'ai vu de loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah rien. J'ai rien à leur dire. En tout cas, c'était pas malin de t'enfuir. Sauf si tu as quelque chose à cacher. Je voulais vous voir avec Madame Halloran. Kenny, Madame Halloran et moi, on apprécie ta sollicitude. Mais on ne veut plus te voir fuir les enquêteurs. Ça ne fait que rendre les choses plus difficiles. Ils croient que quelqu'un aurait poussé Rhys de la falaise. Ou qu'on l'aurait abattu. Ils veulent des réponses à leurs questions parce qu'ils n'ont pas envie de payer à Kate ce qu'ils lui doivent. En tout cas, je sais que tu n'as rien à voir dans cette histoire. Et il n'y a que ça qui compte. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est de la documentation pour tes futures vacances ? Oh non, pas les miennes, celles de ta copine. Où tu as eu ça ? Ces brochures sont exactement les mêmes que celles qui ont été trouvées dans un petit tiroir par un professionnel qui fourre son nez partout. Tu as pénétré chez elle par effraction ? Ça s'appelle aussi mener son enquête, tu vois. Cette femme a confiance en moi et toi tu fouilles chez elle, et si elle t'avait repéré ? C'est pas la première fois que je fais ça, tu sais. Alors tu nous as suivis, c'est ça ? Je crois que tu m'as pas bien compris. Il se peut que cette gentille jeune femme ait assassiné son mari pour toucher la prime d'assurance. Non. C'est déjà arrivé, figure-toi, et pas seulement dans les films. Et vous deux, vous vous conduisez comme si tout ça, c'était une partie de rigolade. Ça va, Mac, tu ne sais pas qui. Je sais surtout ce que les brochures me racontent. Je sais aussi qu'elle n'a pas l'intention de moisir dans le coin, une fois qu'elle aura récupéré le fric que lui aura versé l'assurance. Mais peut-être qu'elle prévoit seulement un voyage, peut-être qu'elle a envie de se barrer, et d'oublier ses ennuis. Et nous ? Il n'y a aucune loi qui l'interdise, enfin, d'après ce que j'en sais. Mais enfin, tu entends ce que tu es en train de raconter ? J'ai l'impression d'avoir en face de moi un petit chien. J'aimerais que tu comprennes que j'essaie de t'empêcher de faire le même plongeon que Rhys Williams du haut de ses falaises. Oui. Bon, eh bien, je te remercie beaucoup, mais sache que je sais me débrouiller tout seul. Je n'en reviens pas que vous ayez fait tout ce chemin rien pour trimballer ces pots de fleurs. C'est vrai qu'il pèse une tonne. À votre place, je profiterai même du fait que je suis venu vous voir. Peut-être, mais je ne peux pas vous payer. Et attendez, voici ma carte. Ce que vous me devez, c'est un dîner, ça me suffira comme salaire. Comment devient-on architecte paysagiste ? Eh bien, pendant que Ginny voyageait et engrangeait tous ses prix au tir, moi j'ai traîné dans les jardins et je copinais avec les équipes de décorateurs d'extérieur. Ce qui fait que je suis devenue leur mascotte. Ah oui ? Mais vous connaissiez déjà Rhys ? Oui. À l'époque, il sortait avec Ginny. Vous saviez ce qui leur était arrivé ? Je connais toute l'histoire. Je suis au courant pour la cour martiale. Et pour Joey. Vous êtes en train de chercher un mobile ? Non, je veux... J'aimerais juste comprendre comment... Comment quelqu'un comme vous peut finir avec un type comme Rhys. Je crois qu'un psychologue vous dirait que c'était une rivalité enfantine. J'étais jalouse de Ginny et je voulais ce qu'elle ne pouvait plus avoir. Vous croyez que le psy avait raison ?
D'une certaine façon, je suppose que oui. Mais on a été heureux à une époque, Riz et moi. Oui. Au moment où on s'installait dans la maison et où on faisait des projets d'avenir. En fait, c'était un individu différent et moi j'avoue que... Mais c'était avant. Enfin bref. Vous savez tout ce que vous voulez ou vous avez autre chose à me demander? Eh bien, j'aimerais savoir si nous sommes... Si nous sommes amis. La mort de Riz, la police d'assurance, votre métier si présent. Rien de tout cela ne disparaîtra tant que cette enquête ne sera pas terminée, quoi que vous fassiez. Il y a tout un tas de questions dans votre tête, je le sais. Je les entends d'ici et même je les ressens, moi, à chaque fois que vous me regardez. J'ai compris ce que tu essaies de faire. Tu as voulu me doubler. Où est sale garde? Tu as essayé de me flinguer. J'ai une balle dans l'épaule qui est là pour le prouver. Viens là! Évanoui dans la cuisine hier soir. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas achevé? Il faut qu'on te soigne cette épaule. Normalement, je suis mort. N'oublie pas, il risque d'être un petit peu difficile d'aller voir un médecin. Laisse tomber cette histoire d'argent. Tu as vraiment une sale blessure. Je ne vais rien laisser tomber, tu entends? Tout le monde pense que je suis mort et on va continuer à jouer le jeu. C'est bien compris. Ça va finir par être vrai si cette blessure s'affecte. Je vais pas en crever, rassure-toi. Je viens de réussir à survivre à la balle, à la chute et ça fait des jours que je traîne dans la forêt avec cette saloperie en moi. On est trop près du but pour abandonner. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas enlever cette balle de mon épaule. Non, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas médecin. Je vais te faire une liste des produits qu'il faut acheter. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je me suis entraîné à tout ça, n'oublie pas. Tu vas y arriver, Katie. Je sais que tu en es capable. Tu sais que tu aurais pu me tuer. Quand j'étais évanoui, tu en avais la possibilité. Sans la garce, c'était elle, bien sûr. Oui, c'est elle qui m'a piégé. Qui ça? Qui ça? Qui, à ton avis, aurait pu avoir cette idée d'arnaque à l'assurance? Je ne connais rien à toutes ces procédures, moi. C'est une idée de Ginny depuis le début. Et cette bouffiasse a voulu me doubler. Je ne te crois pas. Personne ne savait ce que j'allais faire sur cette falaise ce jour-là. Non, personne, si ce n'est nous trois. Toi, moi et cette garce d'avocate. Si tu veux que je t'enlève cette balle de l'épaule, il faut que j'aille te chercher des... Attends. Tu sais que j'ai bien failli crever. Je me suis servi de tous les moyens que je connaissais pour survivre. C'est le seul fait de penser à l'argent qui m'a permis de tenir. Et aussi le fait que toi, ou encore ta sœur, vous aviez essayé de me doubler. Si jamais tu tentes quoi que ce soit, si jamais tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit, ou que tu fais quoi que ce soit, je le jure sur ma vie, je liquiderai Joy. Je vais revenir. Je te le promets. Ginny? Kate, mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir ce qui se passe. Mais de quoi tu parles? Oh, ça va, je parle de Riz. Je ne vois pas ce que Riz... Il s'est repointé hier soir. D'où tu crois que ça me vient, ça?
Je revenais de mon boulot et avant que j'ai compris quoi que ce soit, il était là. Alors il s'est mis à me frapper. Il n'arrêtait pas de me demander pourquoi on l'avait doublé et surtout essayer de tuer. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Il pense que c'est toi qui lui as tiré dessus. Il n'arrête pas de le que répéter. Que je lui aurais tiré dessus. C'est un miracle qu'il soit en vie. Alors je voudrais bien savoir ce qui s'est passé. Kate, écoute-moi. Il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas le laisser parvenir à nous monter l'une contre l'autre. Ginny, pourquoi lui avoir tiré dessus? Pourquoi ne l'avoir pas dit? Je ne lui ai jamais tiré dessus. Je ne lui ai pas tiré dessus. Faut me croire, c'est la vérité. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir un instant. Bonjour, Kate. Tout va bien, Ginny? Oui, ça va. Allez, à demain, Alice. Au revoir. Oh non. Écoute, je vais essayer de faire accélérer la procédure. Je peux obtenir un jugement en 2 semaines, mais il faut que tu le gardes enfermé. Bon, il ne va pas bouger. Il a tellement envie du fric qu'il fera tout ce qu'il faut pour l'avoir. Merci. Au revoir. Ouais, j'ai compris qu'il y avait une énorme quantité de gens, finalement, qui pour diverses raisons souhaitaient la mort de ce mec. À commencer par sa femme, à qui il n'arrêtait pas de mettre des volets de façon permanente. Je suis sûr que c'est pas elle. Ouais, oh ça va, t'es pas objectif là. Qu'est-ce que tu penses de la belle-sœur, Ginny? Du réchauffé, pourquoi le tuer maintenant? Mais ce genre de situation, c'est toujours du réchauffé. Elle ne voit que lui à chaque fois qu'elle regarde son fils ou son nouveau mari. Et elle était au courant pour la chasse. Alors, elle a attendu le bon moment et blam, le mec avale son extrait de naissance. D'accord, mais le problème, c'est que son bureau se trouve dans un immeuble protégé qu'il faut signer quand on y entre. Il y a 7 gardes 24 heures sur 24 qui patrouillent. Ils l'ont fait signer à l'entrée et elle a re-signé en sortant. Très bien. Alors, supposons que Charlie Halloran ait décidé qu'il allait s'occuper de cette affaire tout seul. Hein? Vas-y. Bah oui, il déteste Reese à cause de ce qu'il a fait à Ginny et Kate. Mm-hmm. Alors, ils se retrouvent tous les deux sur les falaises, un petit coup de feu et tout est terminé. Et d'un autre côté, si on vient absolument à sortir de l'arbre généalogique familial, on peut aussi penser à Kenny. Oui, mais quelle preuve tu apportes? Bon. Je continue à enquêter sur les Hallorans. Et toi, tu continues à sortir et à aller dîner avec ta jolie veuve joyeuse? Non, non, pas question. Comment ça, pas question? Tu refuses? Oui, je ne veux plus lui mentir et risquer finalement de la décevoir. Je ne veux pas être un goujat, un poids, c'est tout. Parfait. Passe de bons moments avec elle. Vas-y, lis-lui de la poésie à l'ombre d'un arbre, ça devrait lui plaire. Mais la vérité finira par apparaître au grand jour et tu morfleras un max, que tu le veuilles ou non. Tu as discuté avec ta sœur? Oui, elle a dit qu'elle n'a pas essayé de te tirer dessus. Elle ment, c'est évident. Tu essayais de leur soutirer de l'argent, n'est-ce pas? Ben, c'est vrai que j'avais pas mal de dettes, alors je leur ai demandé un coup de main. C'est normal, c'est à ça que ça sert, la famille, non? Assieds-toi, elle a dit que t'avais menacé de tout dire à Joey. C'est mon fils et j'ai tous les droits de lui expliquer qui je suis, après tout. Oh, elle est vexée. Elle est jalouse parce que finalement, je suis avec toi et pas avec elle. Ce n'est encore qu'un petit garçon, tu sais. Ce ne serait pas juste. Avec eux, il a eu au moins la possibilité d'avoir une vie normale. Je sais, mais je n'avais pas l'intention de le lui dire. Notre accord était basé sur le fait qu'elle m'apportait le fric de l'assurance. Moi, je prenais le pognon et je la bouclais en échange. Et j'étais d'accord. J'étais d'accord sur cette base-là. Est-ce que tu ne l'es plus? Elle a essayé de me tuer. Tu ne vas pas la défendre. Si tu crois que tu comptes pour elle. Cette fille a toujours eu envie de se la jouer grand seigneur. Et ce, depuis avant qu'on soit mariés. Et aujourd'hui, elle a un ranch. Elle a gagné une position sociale et elle a un mari plein de fric. Mais ce qu'elle n'a pas, c'est moi. Et ça, je peux t'assurer qu'elle te le pardonnera jamais. Tu crois qu'elle a essayé de te tuer à cause de ça? Elle savait exactement où je devais me trouver. L'heure précise et elle est très bon tireur. Mais je vais te dire une bonne chose. J'ai un message pour elle. Elle a plutôt intérêt à se dépêcher d'avoir le pognon. Sinon, je peux te dire qu'elle va le regretter. D'autant plus que maintenant, je suis toujours vivant. Allô? Allô? Salut. Vous me devez un dîner. J'avais pensé passer vous voir ce soir pour rattraper votre erreur. Ce soir, ça va être impossible. Je dois travailler à des plantations et je risque de finir tard. Eh bien, on dit demain soir? Je ne sais pas encore. Vous vous débarrassez de moi, là. Vous voulez dire que quand je suis passé l'autre jour, j'ai porté tous ces pots pour rien? Je préférerais que vous me donniez un numéro de téléphone où je pourrais vous joindre et vous dire quand je pourrais me libérer. Très bien. Merci. C'est quelqu'un du solarium. Tu as bien changé, Katie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, tu as changé. Je te trouve différente. Tu es beaucoup plus sûre de toi. Serre les dents ou mords quelque chose, je vais commencer.
Attention, vous allez découvrir mon antre. Waouh, j'ai hâte. Oh, ben dites donc, oh, c'est vraiment impressionnant. C'est mieux que tous les restos que j'avais imaginés. Chez Kate. Oh, c'est génial. Je vous sers. Oui. Comment vous êtes-vous? Oh, c'est le métier qui rentre, on dit. J'ai pas su éviter une branche d'un sapin de Californie du Nord. Oh, Kate. C'est pas grave. Allez vite, ça va être froid. Très bien. Je ne pose plus de questions. D'accord. Oui. Oh, et voilà, il a dit. Tu dis que tu sais jouer dans la tonalité, alors fais-le. Et là, j'ai dit non. Alors, lui, il a dit, si jamais tu me refais ça, je te vire définitivement. Arrêtez de me dévisager. Vous ne pensez pas que deux personnes puissent se connaître et s'apprécier d'instinct? Ça, c'est mignon. Mais je crois que les choses ne se passent pas toujours comme on en a envie. C'est peut-être parce que vous ne faites pas assez confiance à vos sentiments. Je n'ai pas beaucoup de pratique en ce qui concerne ce que je ressens. J'étais bien trop occupée à ne pas trop prendre de coups sur le visage. Ça demanderait plus d'une enquête pour s'imaginer ce que pouvait être notre mariage. Ah. Excusez-moi, je ne voulais pas évoquer tout ça. Non. C'est rien, ça ne m'ennuie pas d'en parler, au contraire, ça me fait du bien. Cela dit, aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie change. À toute vitesse. Je me moque complètement de l'argent, John. Je peux vous l'assurer. Tout ce que je demande, c'est une chance de pouvoir recommencer ma vie. Et surtout, ne plus avoir à endurer toutes ces souffrances. Vous comprenez ce que ça signifie? Vous... Non, non, rien. Quoi? Mac dit que je n'ai pas le droit de m'entretenir avec vous de ce que sont les preuves. Pourquoi je suis suspecte? Vous me soupçonnez de quoi? Bon, il a trouvé une douille qui correspond à l'un de vos fusils près de l'endroit où Reese est tombée. Il y avait des chasseurs. Oui, mais il l'a trouvé dans un buisson d'où on avait un excellent point de mire. Vous croyez que Reese a pu être tué? Je n'en sais rien personnellement, mais Mac, lui, pense qu'on lui a tiré dessus et qu'il a été tué. Et il croit aussi que je suis l'auteur de ce crime. Non, pas nécessairement. On a pas mal d'autres suspects qui ont des mobiles. Non. Allez-y, lancez-vous, posez là votre question. Parce que de toute façon, je la lis dans votre tête. Alors ce qu'il faut, c'est vider l'abcès et que vous me posiez votre question. Ça n'a aucun intérêt. Je sais ce que je veux savoir. Je vous ai dit, j'ai été élevée au milieu des armes et je sais tirer au fusil de chasse aussi bien que n'importe quel homme. Mais sachez que je n'ai pas tiré sur mon mari. Et de ce fait, ce n'est en aucun cas moi qui l'ai tué. Alors il va falloir vous interroger sur ce que vous voulez vraiment croire. Parce que si vous refusez de croire que je vous ai dit la vérité, il vaudrait mieux partir, sortir de ma vie et ne plus essayer d'y remettre les pieds. Katie? Oh. Kate? Bébé? Tu es là? Qui est là? Katie? Elle a dû s'absenter. Non. Où est-elle? Je n'en sais rien. Ah, tu mens. Je l'ai entendue répondre au téléphone dans l'après-midi et faire des projets. Elle n'avait aucunement l'intention de jouer les veuves et pleurer, je crois. Pourquoi tu as voulu me doubler, Ginny? Je n'ai rien fait. En tout cas, on m'a bien tiré dessus. Ma blessure à l'épaule, c'est pas un accident de chasse. Tu peux me croire, Reese. Si j'avais voulu te flinguer,
Tu ne serais plus en face de moi à l'heure qu'il est. Jusque-là, j'ai respecté ma part du marché. Dès que j'aurai le papier du juge, tu respectes la tienne. Tu prends ce qui te revient et tu disparais à tout jamais. Mais qu'est-ce qui vous arrive, maître? Je suis un homme de parole, moi, et je serais ravi de prendre la part qui me revient. Seulement, quelqu'un n'a pas voulu s'en tenir au plan. Kate te fera transférer la moitié de la somme sur un compte numéroté aux Bahamas. Oui. Riz, si jamais tu recommences à faire à Kate ce que tu lui as toujours fait subir, j'irai trouver le juge et je lui dirai exactement ce qui s'est passé. Non, tu ne feras jamais ça. Il faut me croire. Je me fous complètement de ce qui peut arriver. J'ai l'impression que cette fois, je ne suis plus en position de dicter ma loi. T'aurais tort d'essayer. Bon. Alors, c'est toi qui gagnes cette fois. Il y a toujours la même magie entre nous, hein, Virginia? Tu n'es qu'une sale ordure. J'aurais préféré que tu sois mort. Et le petit Joey n'aurait plus de père. Il est fou. Il croit qu'on a comploté contre lui, toi et moi. Ils ont trouvé une douille de gros calibre tout près de l'endroit où il est tombé et maintenant ils pensent qu'on a voulu le tuer. Je suis sûre qu'ils ne prouveront rien, mais ça m'inquiète. Toute cette histoire commence à tourner en eau de boudin. Ginny, il a dit que si jamais on en parlait aux flics, il tuerait Joey. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. Écoute, je crois que c'est Charlie qui lui a tiré dessus. Charlie ? Il n'arrête pas de dire des choses qui me conduisent à me poser des questions, mais je ne suis pas sûre. Il y a bien quelqu'un qui a voulu le tuer, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il faut qu'on sache qui c'est. Tu as raison. Bonsoir. Tu as manqué le dîner. Comment va Kitty ? Oh, elle va bien. Cela dit, elle se sentait un peu seule et elle avait envie de parler. Je n'ai pas vu l'heure passer, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Joey et moi, on est allés manger des hamburgers et des frites. Charlie ? La nuit dernière, tu m'as dit que tu continuais à entendre ce coup de feu. Et que tu n'étais plus très sûre que ce qui s'était passé correspondait à ce que tu as déclaré. Je me le rappelle. Tu as voulu me dire quelque chose à ce moment-là. Avec Joey, je t'assure que nous sommes très proches. Il est le fils que j'ai toujours voulu. Et je savais que Reese menaçait de lui révéler que c'était lui son véritable père biologique. Et je savais aussi que c'est une chose à laquelle tu t'opposerais. Alors quand j'ai entendu le coup de feu, d'un seul coup, j'ai pensé que tu avais pris les choses en main. Moi ? Et toi aussi, tu t'es dit que j'aurais pu le tuer ? Oui. Non, Charlie, je n'ai rien fait, je peux te le jurer. J'allais essayer de te faire parler, je croyais que c'était toi qui l'avais fait. Moi ? Oui, pour me protéger. Oh mon Dieu, tout ça est tellement dingue que je... Alors, tu me jures que tu n'as rien fait ? Mais oui, je te le jure. Moi, je reconnais que je déteste cet enfoiré, mais je n'ai encore jamais tué personne. Et si c'est pas toi? Kenny. Kenny? Oui, tu sais à quel point il a toujours aimé Kate. Quand les enquêteurs sont venus le trouver, il s'est enfermé en m'expliquant qu'il avait eu peur de dire quelque chose qui pouvait éventuellement incriminer l'un d'entre nous. Là, je me suis dit qu'il faisait allusion à toi. Mais en fait, c'est lui-même qu'il voulait protéger. Il faudrait peut-être qu'on essaie de lui parler. On le fera demain, ma beauté. C'est ça, demain. Non, t'es en retard. On ne nous attend pas au cabinet du juge avant une bonne heure. Oui, mais je voudrais qu'on repasse tout en revue. Pourquoi ? Pour savoir ce qu'on doit faire. Oui, mais je sais ce que je dois faire. Oh, John. J'ai besoin que tu sois avec moi aujourd'hui. Sinon, comment tu veux qu'on capte l'attention du juge si jamais on ne lui chante pas la même chanson ? Je n'ai rien à lui dire, moi. Non, mais tu travailles bien pour la compagnie. Ce qu'il faut, c'est qu'on apporte ce qu'on a trouvé et qu'on arrive à convaincre le juge qu'il n'est pas question qu'il délivre une déclaration judiciaire de décès.
Je n'ai pas l'intention d'y aller et d'accuser ces malheureux de meurtre quand on n'a aucune preuve tangible. Mais on n'est pas des flics et on ne cherche à accuser personne. Il faut seulement arriver à établir un doute suffisant pour qu'ils nous accordent de continuer notre enquête, bon sang. Moi, je sais parfaitement ce qu'on a à faire. Notre but est d'éviter à Solar State Life d'avoir à régler la prime d'assurance. Eh bien, je peux te dire que moi, je vais faire exactement le contraire. Alors tu ne feras jamais carrière dans cette compagnie. Tu ne m'as pas compris, finalement. Je n'arriverai plus à me regarder dans une glace si je fais ça à Kate. Tiens, je t'avais dit qu'il était là. Billy, vous avez pas vu Kenny par hasard? Non, monsieur, je l'ai pas vu depuis 6 heures. Je crois qu'il a fait ses valises. Ses valises? Oui, madame. Il a dit que ça devenait trop chaud pour lui ici et qu'il devait partir. Il a dit aussi que vous saviez que vous comprendriez. Merci, Billy. Merci. De rien, je vous en prie. Monsieur McAfee, je viens de réexaminer vos théories, ainsi que les conjectures que vous en tirez. Et je dois admettre qu'elle constitue une masse de lecture très intéressante, tout comme dans les livres de John Grisham. Toutefois, ces théories sont de l'ordre de la fiction. C'est pourquoi j'ai la sensation que les vôtres peuvent relever de la même fantaisie. Heureusement ou malheureusement, les postulats que vous évoquez ne sont pas étayés par des preuves suffisamment tangibles. Vous n'avez que des éléments circonstanciels. La seule chose qui soit certaine, c'est que M. Williams a dû tomber du bord de la falaise. Qu'il est tombé dans l'océan, le visage plongé dans l'eau, selon la déposition de notre seul témoin oculaire. Au-delà de cela, nous n'avons aucune indication d'escroquerie à l'assurance de la part de qui que ce soit. Je me permets d'ajouter que je connais bien la famille mise en cause dans cette affaire et que je suis en mesure d'apporter un jugement personnel pour ce qui est de la crédibilité des témoignages en notre possession. Votre Honneur, je voudrais déposer une protestation formelle au nom de la compagnie d'assurance Solar State Life que je représente. Monsieur McAfee, vous pouvez déposer toutes les protestations que vous voulez. Il n'en reste pas moins que mon jugement ira en faveur de l'acceptation de la déclaration judiciaire de décès suite à la chute accidentelle de Monsieur Rhys Williams du haut de la falaise susdite, tel qu'il a été précisé dans le rapport de police. En conséquence, mon jugement est le suivant. Monsieur Rhys Williams est légalement considéré comme décédé. Je vous remercie, mesdames et messieurs. L'affaire est classée. T'es content de toi maintenant, abruti? Tu viens de faire libérer un meurtrier. Tu pourras te regarder en face. Alors, comment ça s'est passé? C'est fait. Ta part a déjà été versée sur un compte de cette banque aux Bahamas. Voici le numéro. Bien. Dites donc, les filles, vous avez enfin réussi à faire ce que vous aviez à faire. Je vous avais dit qu'on finirait par y arriver. Tu nous as promis de t'en aller maintenant. On a bien le temps. Tout est fini à présent. Plus tu resteras dans le coin et plus tu risqueras de te faire repérer par quelqu'un. Oh, faut pas t'inquiéter, chérie. Et puis surtout, toi, moi et Ginny, on a encore une petite affaire à régler parce que j'ai la vague impression que vous m'avez pris pour un imbécile. Il y avait un accord entre nous, rappelez-vous. Enfin, on en avait un jusqu'à ce que l'une de vous ne décide de me tuer. Rhys, ce n'est pas l'une de nous. Non, je ne veux plus rien entendre. Toi, appelle la banque, allez vite. Et tu fais virer ton argent sur mon compte numéroté. Téléphone. Bon, ça va, arrête. Allez, dehors. Sortez, dépêchez-vous. Avancez. Plus vite! Mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, tu veux dire que tu n'as pas encore compris? C'était pourtant un bon plan que j'avais mis sur pied et je suis certain qu'il aurait marché si l'une d'entre vous n'avait pas décidé de me doubler. Alors? Oh, c'est pas vrai! Je l'ai fait assez grand pour vous deux. Rhys,
Sois pas stupide. Si tu nous tues, tu pourras jamais t'en sortir comme ça. Ah, ça c'est ce que tu crois, mais ça m'étonnerait parce que je suis mort. T'as déjà oublié, mais je vais te dire un truc. Ton enquêteur de la société d'assurance, lui aussi, il croit que c'est l'une de vous qui m'a tué. Alors avant qu'il s'aperçoive de votre disparition et qu'il découvre que le fric a été viré sur un compte aux Bahamas, ils se diront que vous avez partagé l'argent. Ensuite, si jamais un jour on vient retrouver vos corps, ce qui m'étonnerait, et surtout si on réussit à les identifier comme étant ceux des deux adorables sœurs McKelvey, eh bien d'ici là, moi j'aime. Ouais. Disons que j'aurais disparu depuis longtemps. Reese ! Ah ! Oh ! Oh non ! Oh mince ! Oh bon sang ! Oh non. Ah, il fallait que je le fasse. Ah, vous avez vu, il allait vous tuer. Alors je... Oh, Mac m'a expliqué que c'était l'une de vous qui avait tiré sur lui. Moi, au début, je ne voulais pas le croire, mais je ne sais plus quoi penser. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? J'avais vu le bleu sur votre visage l'autre soir quand on dînait tous les deux. Et là, je me suis dit, mais si ça se trouve, le type est toujours bien vivant. Et c'est là que j'ai commencé à vous surveiller, parce que je n'avais qu'une envie, connaître la vérité. Qu'est-ce que vous avez entendu? Sa chute était une mise en scène. C'était bien ça. Et vous avez refusé de me dire la vérité, même après le jugement. Oui, mais c'est pas toute la vérité. T'es pas obligé de lui raconter. Si, il le faut. Dans toute cette histoire, la mise en scène de la mort, c'est une idée à moi. Toute l'histoire de la veuve éplorée et de la sœur aimée qui s'inquiète, c'est vrai que tout ça, ça faisait partie de la mise en scène. Oh, alors c'est vous. Il fallait que j'arrive à m'éloigner de lui. Vous comprenez, j'en avais assez que cette ordure m'approche et je n'ai trouvé aucun autre moyen de m'en sortir. À chaque fois que j'essayais de le laisser tomber, il se remettait aussitôt à me battre et je savais plus quoi faire. D'autant qu'il avait toujours besoin de plus en plus d'argent et surtout il voulait tout raconter à Joey. C'est à ce moment-là que j'ai accepté de l'aider. Il avait fait du mal à trop de monde depuis bien trop longtemps et il voulait en faire mon fils. J'étais au courant de l'assurance vie et je me suis dit qu'il y avait peut-être un moyen d'arriver à le mettre dans une position où il pourrait disparaître de la vie de tout le monde de façon définitive s'il pensait qu'il allait gagner le fric. On a décidé que c'était moi qui lui présentais le plan, de façon à ce qu'il croie que c'était mon idée. Et ça a presque marché. Le fric a été versé sur un compte numéroté dans une banque des Bahamas. Je vais vous faire une déposition. Il suffit que vous me disiez ce que vous voulez, que je vous dise, je ferai ce que vous voulez. J'étais pourtant certain que tu allais devenir un inspecteur de classe A quand je t'ai vu débarquer la première fois. Ah, je suis désolé de t'avoir déçu. Ouais, oh, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de bosser avec toi, t'intimes bien. Oh, pas suffisamment, finalement. Voilà. Tant qu'on ne retrouvait pas le corps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu crois qu'on arrivera à le retrouver? Nos chances sont minces. Je dirais même une sur 5 millions. Oui. Mais va savoir. Jonas est bien ressorti du ventre de la baleine, hein. Où tu vas? Disons que j'ai toujours eu envie de visiter l'Europe. Italie, peut-être bien. Venise. Venise. Et ciao. Bon séjour. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux que je fasse avant que tu partes? Je ne crois pas, non. Tu as l'acte de décès. Suffisamment d'argent pour que maman et Joey vivent à l'abri jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je vais bientôt faire le voyage que j'ai toujours eu envie de faire. Oui, ce sera l'Italie. Et j'ai toujours rêvé de voir Venise. Tu vas me manquer, tu sais. Je t'aime, Kate. Oui, moi aussi. Ça a toujours été un plan parfait. Et il a marché à merveille depuis le début. Pas tout à fait. J'avais jamais prévu que quelqu'un doive souffrir, ça n'a jamais été mon plan. Je sais. J'ai un petit quelque chose pour toi.
te jure sur la tête de Joey que je n'ai pas tiré sur Riz. Et Charlie non plus, d'ailleurs. C'est peut-être Kenny. Mais il n'avait rien à y gagner. C'est fini maintenant. Alors ça n'a plus d'importance. On ne saura jamais qui c'était. Quand est-ce que tu vas m'apprendre à tirer aussi bien que toi, grand-mère? Oh, ça viendra. Je t'apprendrai comme j'ai appris à ta maman. Mais les fusils, ça tue, Joey. Il ne faut jamais viser personne avec une arme. Oui, il faut toujours se montrer très prudent.